tous. Bonsoir. Ah, ça me fait tellement plaisir de vous avoir sur le plateau, monsieur Montfort. Parce qu'il faut que je vous dise, ma fille, ma petite Xena, oui, c'est elle qui a choisi son prénom en référence à la célèbre guerrière. Eh bien, elle aussi, elle est passionnée par le phénomène des ovnis. Déjà toute petite, je me souviens, comme elle avait tendance à toujours vouloir agresser les humains, je me posais des questions. Alors un jour, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Et alors, elle m'a expliqué qu'elle venait d'une autre planète et que sur sa planète à elle, on haïssait les humains. Mais elle m'a aussi dit que comme j'étais sa maman, pour l'instant, elle m'épargnerait. Elle est si mignonne, un petit ange. Et puis alors, elle croyait dur comme fer à cette histoire de planète et faisait tout pour m'en convaincre. Elle adorait, alors qu'elle avait à peine 5 ans, gambader dans le jardin la nuit et parler aux étoiles dans un langage inconnu. Elle était tellement craquante. Elle connaissait le nom de toutes les constellations et même certaines qui n'étaient pas sur les cartes du ciel. Ah, ma petite Xena, elle est exceptionnelle. Vous savez, quand on s'est rendu compte qu'elle avait les pieds palmés, on l'a tout de suite inscrite à la natation. C'est une nageuse hors pair, vous savez. Elle est capable de rester plus de 2 heures sous l'eau. Et elle va si vite. Mais bon, Xena a toujours été aussi une jeune femme libre. Ah, ça oui. Hein. Je me souviendrai toute ma vie du jour de ses 13 ans. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a regardée avec ses petits yeux et ses paupières verticales. Puis elle m'a dit, maman, je dois partir. Ma vraie famille m'attend. Avant de s'enfoncer dans l'océan et ne revenir que 2 mois après. Vraie petite aventurière, cette petite Xena. Et puis, c'est tellement gentil d'être rentrée pour retrouver sa maman. C'est un amour. Parce que je peux vous dire que son absence m'a paru une éternité. J'ai eu le temps de voir défiler les saisons. Et en parlant de saisons, il paraît que nous sommes au printemps, mais ce n'est pas flagrant. En effet, demain matin, beaucoup de nuages sont attendus sur la majeure partie du pays. Nous attendons 11 degrés à Bordeaux, 7 à Lille. L'après-midi sera toujours aussi nuageuse, avec tout de même quelques éclaircies dans le sud-est. Et nous relèverons 23 à Marseille et 21 à Ajaccio. Sur ce, moi je vous quitte. Je ne voudrais pas laisser Xena toute seule trop longtemps. On ne sait jamais de quoi elle est capable. Bonne soirée.